Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec mon cousin Régis. Enfin, techniquement, c'est pas mon cousin, c'est mon arrière-petit-cousin, je pense. Voilà, qui est agriculteur et qui a un étang qui n'est jamais pêché. Donc, on va aller découvrir ça, voir si on arrive à faire du poisson. Donc, je vais vous partager ça aujourd'hui et puis on y retournera peut-être après avec son autorisation, voir si on fait du poisson. Et puis d'abord, on va donner à manger aux vaches. Je suis au milieu, elles vont pas m'écraser. Là pour le trouver, il faut y aller. Alors là, c'est vraiment l'étang qui est perdu au milieu de nulle part. Et puis de toute façon, si t'as pas un 4x4 avec 4 roues motrices, tu arrives pas. Hein. Ouais, c'est classe. Bon, voilà l'étang. Donc, on va arriver sur le premier spot. On va essayer. Il y a encore un peu d'herbe. On va voir ce que ça donne. Faire quelques lancers. En tout cas, il y a plein de poissons. Ça bouge de partout. On va voir. Allez, premier lancer. Ce que je fais, c'est que je laisse couler au fond. En comptant, savoir combien il y a de fond à peu près. Il n'y a pas grand chose comme fond. Il va falloir ramener canne haute. Ouais, poisson! Régis! Wouh! Là, il l'a avalé, mais il est bien piqué, tu vois. Ah, il l'a avalé. Bon, bah, ah oui. T'énerve pas, Coco, tu vas te blesser. J'ai déjà quelque chose, peut-être. Non, ça va, t'inquiète. Tu vois, hop. Ouais, il fait 70, à mon avis. Ouais, il doit le faire. Hein. Ah putain, il m'a saigné. Par contre, il m'a saigné, moi, mais bon. Toi. Ouais, bah, tu sais, c'est toujours les brochets, c'est tu mets la main, tu sais, dans les ouïes. En fait, faut mettre surtout jamais la main dans la gueule, sinon il te déchire la main. Et en fait, tu lui mets dans les ouïes pour le tenir, ça le blesse pas. Mais ils ont quand même des petites dents sur les ouïes, donc du coup, tu te trappes un peu des fois, quoi. Mais bon, c'est. Je vois que t'as tout qui... Ouais, c'est rien de grave, tu vois, ça coupe un peu, mais c'est rien. Mon premier poisson au bout de 10 lancers, on va dire que c'est plutôt bon signe pour l'étang, donc il y a du poisson dedans. Poisson ! Ah, raté ! C'est plutôt très bon signe même. Je viens de reprendre une touche, j'ai décroché. Ouais, il ne mordra plus, à mon avis, je l'avais piqué. Oh là là. C'est con qu'on ait qu'une heure de pêche devant nous, parce qu'à mon avis... Comme quoi, la pression de pêche, ça fait beaucoup. Hein. Oh là là, c'est la folie. Je prends des touches tous les lancers, je prends une touche. À mon avis, pas piqué, donc à mon avis, il y a moyen. Je laisse descendre au fond, il y a à peu près, je pense, là, il y a 2 mètres d'eau. Pas beaucoup plus, et je ramène pour que je sois 50... Entre 50 et 1 mètre au-dessus du fond, à peu près. J'essaye d'aller doucement, j'ai mis... Je l'ai. Poisson ! Ah, c'est une folie. Oh, il est joli.
Voilà, j'ai relancé encore au même endroit, donc ce serait dingue de reprendre une touche au même endroit, mais... Poisson. Voilà, touche qui m'a mis. Ah non, je te dis, c'est blindé de poisson ton étang. Il est blindé de poisson. Non, non, c'est bon, je suis devant là. Celui-là, je pense qu'il est un peu plus joli, il doit faire 70 comme le premier. Ouais, même plus joli encore. Ouais, ouais, c'est bien. Bon, après, des fois, il se décroche, mais c'est pour ça qu'il faut jamais laisser de mou, tu vois, tu laisses toujours tendu. Oh, il est joli celui-là, il fait 80 celui-là, à mon avis. Hop là! Wouh! Oh, les dents qu'il a! Regarde ça! T'as vu les dents? Oh, j'ai rarement vu un poisson avec des dents comme ça. Celle-là, celui-là, il te met un coup de dent. C'est bon, tu peux remballer. Eh ben, il est énorme. Poisson. Je sais quoi, je recule, j'avance. Ah, comme ça, il est énorme, énorme. Non, là, il n'y a pas assez de fond. Il faut que j'enlève le plomb. Ça nage un peu moins profond. Hop là. Et là. Un petit Régis. Voilà, en tout cas, ils sont magnifiques. Ouais. Ouais, j'en ai un, ouais. Ouais, il fait 50, hein. Allez. Ouais, il est pas trop épais celui-là, mais bon, c'est un petit. Hein. Après, c'est souvent quand ils sont plus gros, quand ils font comme l'autre 70, tu vois qu'ils commencent vraiment à prendre du gras, quoi. Bon, voilà, la partie de pêche, elle est terminée. Donc, j'ai fait 5 brochets en 1h30. Donc, c'était un peu la folie. Et encore, on n'a pas trop pêché. Et maintenant, on se fait une petite partie de tir à l'arc. Donc, voilà, on va voir ça comme je suis un ancien champion, mais bon, faut le dire vite parce que ça fait plus de 10 ans. C'est raté. C'est pas bon. Ah, peut-être, ah, ouais, l'autre elle est là. Ouais, bah, si elle a tapé dans la ferraille, à mon avis. Waouh! Ouais, bah c'est. Je pense, ah oui, mais le truc est rentré dans la flèche. Ah bah oui, le point est rentré dans la flèche. Wow! Bullseye! En plein dans le milieu, quoi. C'est pas vrai. Ah ouais, si. Ah si, moi je la vois bien. Pour l'instant, c'est toi qui gagne, allez.